Donc les enfants, je disais qu'effectivement la police avait donc dû cacher le statut légal de vous, de moi et de maman, et continue de le cacher encore récemment en m'attribuant des adresses en Hongrie et en attribuant à maman, en faisant semblant que maman est Magyar Szágon élő Magyar Polgárok. Par exemple, ils mettent dans le papier qui a été donné à ma mamie, ils mettent que maman est Loktsim Nélküli. Loktsim Nélküli. C'est pas du tout ça. Maman n'est pas Loktsim Nélküli. Maman est Külföldi címmel. On utzi Külföldi címmel rendelkezik. C'est teljesen más, mint Loktsim Nélküli. Ça, c'est peut-être si maman était hongroise, habitant en Hongrie. Alors ce statut existe de Loktsim Nélküli. Mais il n'existe pas à partir du moment où on a exprimé la volonté de quitter la Hongrie définitivement. On obtient alors un statut de on obtient alors une adresse à l'étranger. C'est tout à fait différent de Loktsim Nélküli. Ça, c'est un exemple. Moi aussi, on m'a donné des adresses qui ne correspondent pas, encore maintenant récemment. Tout ça, de nouveau, parce que le but et l'essentiel de cette procédure, c'est ça. C'est l'incompétence. Et comment est-ce que la mafia réagit par rapport à la compétence? Elle n'arrête pas de dire que, bah regardez, les enfants, non, ils sont bien chez notre mamie. Les enfants, le tribunal est compétent parce que la Hongrie est compétente, parce que les enfants résident en Hongrie depuis maintenant autant d'années et parce que ils ont la nationalité hongroise. Ça n'a rien à voir. La nationalité n'est pas un critère, pas plus que la durée, le temps effectif de séjour dans le pays. C'est pas ça le critère. Le critère, c'est a-t-on, oui ou non, fait la volonté de quitter définitivement le pays ou pas. Dans votre cas, c'est le cas depuis le 10 septembre 2018. Ce n'est pas ça, ce sont des faux arguments. Dire qu'une personne est en Hongrie et qu'à cause de ça, la Hongrie est compétente, c'est une débilité. Au même titre que de dire que la Hongrie est compétente parce que les enfants sont hongrois. Ça aussi, c'est une débilité mentale, pure et simple. Et la mafia le sait, mais elle utilise toujours ces faux arguments-là. Voilà. En gros, j'ai à peu près fait le tour des principales personnes. Oui, je vais encore revenir donc sur, en Belgique sur Till Emmanuel. Till Emmanuel, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il a énormément d'argent, il a une grande maison, il a un grand jardin, et cet argent provient en grande partie de ce blanchiment d'argent qu'il a commis en utilisant cette structure financière illégale, avec d'un côté le compte bancaire prêté par ma mère à Pierre Van Ypersel, et de l'autre côté l'usurpation de mon nom et de mon identité derrière le dos. Alors je vais parler dans la prochaine vidéo de... Et c'est lui qui a servi d'interface, en fait, entre Diori Sabolcs et la mafia belge, parce que Till Emmanuel connaissait quelqu'un, bien sûr, de la famille, il connaissait la famille, il connaissait les grands-parents hongrois, il connaissait Diori Sabolcs, c'est le seul de la mafia qui était en contact avec la famille hongroise, et ils avaient besoin de quelqu'un qui puisse agir au sein même de votre famille, à savoir Diori Sabolcs. Voilà.